Parlons éducation. Le Forum des panélistes est une organisation civique et sociale qui existe depuis 2 ans et sa mission est de promouvoir la responsabilité et l'épanouissement des femmes à travers des rencontres trimestrielles. À cet effet, elle a organisé sa 13e rencontre autour de la thématique « Éduquer l'enfant dans un monde d'écran ». L'objectif est de sensibiliser en interpellant les parents à faire preuve de plus de responsabilité face à l'impact des écrans sur leurs enfants. Le récit de Amiko Robara. Une image vaut mille mots, dit-on. En voici un exemple dont on pourrait se passer de commentaires. Les écrans. Ils font partie intégrante de notre vie quotidienne, en passant par des écrans de télévision, aux smartphones, aux ordinateurs et autres. Ils sont omniprésents et leur usage n'échappe pas aux tout-petits et aux adolescents. Si ces outils ont révolutionné notre monde, ils ne sont cependant pas sans conséquences sur l'équilibre et la vie de notre société, en particulier sur celle des enfants. Comment éviter l'impact négatif des écrans sur les enfants? C'était le sujet des réflexions et de discussions au cours de cette 13e rencontre du Forum des panélistes ce week-end. Donc l'objectif, c'est que ce soit une sensibilisation qui se répète, qui entre dans nos mœurs, avec nos parents, avec nos amis, qu'on essaye, pour ceux qui, parce qu'ils ne savent pas, beaucoup ne le savent pas, qu'on essaye de les interpeller à éloigner les écrans des enfants et à régulariser l'utilisation des écrans par les ados, les adolescents. Le numérique, comme je l'ai dit pendant le panel, ce n'est pas un jouet. C'est un outil, c'est un ensemble d'outils, un ensemble de technologies qui nous permet de transmettre des données et tout. Utiliser de manière, on va dire, efficiente et surtout responsable. Donc il y a des logiciels qui existent, qui permettent aux parents non seulement de contrôler le temps d'utilisation des outils numériques, mais aussi même de pouvoir programmer des arrêts et même surveiller ce sur quoi les enfants ont plus de vision. Au cours des échanges, le lieutenant Non-Ange de la brigade des mineurs a partagé avec l'assistance plusieurs cas de viol, de prostitution, de chantage, de tontines sexuelles orchestrées sur et par des adolescents à partir de téléphones mobiles. Le message est clair. Appeler à la responsabilité des parents et à une vigilance accrue est de mise afin de minimiser l'impact des écrans sur la vie des enfants.